sélection dans notre si belle France. Vous voyez là, vous revenez du travail. Certains d'entre vous, vous gagnez que 1200 et à la fin du mois, vous n'arrivez pas à payer toutes vos factures. Mais François Fillon, le plus grand voleur des fonds publics, la justice l'a pas serré. Mais essayez, vous et moi, essayons de prendre seulement 200 euros à la banque de force. Directement, la justice l'a prise. Mais François Fillon a détourné, il est dehors et il n'ose se présenter. Il veut être président. Non, un grand voleur qui veut être président. Non, pas de chance. Donc, vous voyez, cette carte électorale et le passeport français, ils veulent avoir nos votes. Pas question. Nous allons les mettre par âge. Parce que vous voyez, François Fillon, ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde. L'Hongrois de merde, ils n'ont rien fait en France. Ils ont volé que l'argent du peuple français. Hein? Manuel Valls, ancien premier ministre de François Fillon, l'Espagnol. Il a cru qu'il pouvait être président en France. L'Espagnol de merde. Barrage. Nicolas Sarkozy, Hongrois de merde. On l'a mis barrage. Ils me connaissent tous. Hein? Vous voyez, moi qui parle, je suis le fils d'une Gauloise. Ma mère, elle est d'ici. Mon père, c'est un multimillionnaire. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Moi, je suis un père de famille. Vous me voyez parler dans les transports. Je parle pas pour rien. Je parle pour vous et pour vos enfants et pour les générations futures. Parce que moi, je veux pas que les enfants souffrent. Il n'est pas normal de voir un pays immensément riche comme la France que des Français souffrent. Regardez, c'est une honte. Chaque ruelle de France, des Français dorment dehors. Et en plus, des anciennes légionnaires, ça fait mal au cœur. Et après, ils disent que la France est le pays des droits de l'homme. Moi, je dirais non. C'est le pays des détournements de fonds. Parce que nous avons affaire à des ministres véreux. Nous avons affaire à des députés véreux. Donc, peuple français, ouvrez bien vos yeux. Cette élection, s'il vous plaît, barrage à front. Hein? François Fillon, basque espagnol de mer. Barrage. Hein? Non, non, François Fillon, c'est un basque. Oui, c'est un basque espagnol. Ils sont tous là, quoi. Et Macron, barrage. Parce que Macron, c'est la petite copine d'Hollande. Barrage. Quant à Marine Le Pen, si elle ose être présidente en France, peuple français, il y aura le feu dans toute la France. Donc, barrage à Marine Le Pen aussi. Donc, vive une France meilleure pour tous. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous garde, nous tous. Moi, je suis là pour le peuple français. Je suis là pour tout le monde, tous ceux qui souffrent. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente bonne soirée et bon week-end. Bon week-end à vous. Parole. Peuple congolais, peuple français, peuple français. Il a dit peuple congolais. Ouvrez les yeux avec les élections qui arrivent là, le dimanche. Emmanuel Macron, c'est François Hollande. Le parti En Marche, c'est le PS. UMP, c'est le parti le républicain. Il nous met le doigt. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Nous, on est des jeunes. On rentre pas chez nous. Si je rentre chez moi, me tue. Là où je parle, là, il y a des bombardements au Congo-Brazzaville. Au Zaïre, RDC, au Gabon, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique. À cause de François Hollande avec Fillon. Fillon, celui qui a enlevé Kadhafi. Et Laurent Gbagbo. Ce que je demande le dimanche, barrage à François Fillon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. On va voter Mélenchon. Il est du peuple. Il est du peuple. Il est du peuple. C'est pas quoi. UMP, PS, UMP, PS, UMP. Non. On en a marre. Ingeta, ingeta, ingeta. Merci les gars. Bonne soirée. Bonne soirée. Thank you.
Ah, Châtelet, merde.